Sum of best 20 minutes. Ouais, il me dit que je peux faire 20 minutes. C'est pas mal. Hein. Ouais, à part sur le deuxième acte, mais bon. Ouais, bon. Allez! Ça suffit, hein! Vilaine. Méchante. Si vous saviez comment j'ai galéré rien que pour faire ça, enfin rien que pour apprendre à le faire. Mais bon, là maintenant, je vais splitter par, enfin j'ai splitté partout correctement, donc ça ira pas mal. Trigger, trigger. Eh ben, bon Destiny Vayne. Des bisous, éclate-toi bien. Et merci. À la revoyure. Allez, monte. Grimpe. Donne. Au bar. Maman dit que papa nous a quittés. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est elle qui l'a mis dehors. Un petit peu. Ça y est, ça commence! C'est ici que je galère. J'aime pas ces chaises. J'aime pas les chaises. Je fais une allergie à ces chaises, à ces tables, à ces... tous ces trucs-là. Ces trucs de merde. Elle ne veut pas s'ouvrir. Mais je pourrais la forcer. Voilà. Très forte. Je peux pas encore. Mais maintenant je peux. Parce qu'en fait, si je fais tout ce schmilblick avec les tables, c'est pour pouvoir dash en fait. Donc là, je dois aller me suicider. Parce que sinon, mon écran reste noir en fait. Bah, je suis obligée parce que comme ça penche ça. Et après, je peux monter dessus. Là aussi, si j'ai un peu de chance. Ah, bah, voilà, là par contre, j'ai gagné du temps. Ouais, c'est ça, vos PC sont super bons pour la casse. L'avantage, c'est que moi, comme j'ai un bon PC, à l'avenir, pour les Stunfest et les trucs comme ça, bah, il suffit que je l'amène. Et les gens, ils n'ont pas besoin d'amener le leur. Comme nous, on est en voiture. Mais voilà. Ah ouais? Quoi, parce que depuis qu'on est comme on est sur Toulouse, on va monter les bornes. Alors, l'Excelsior, est-ce que ça se passe bien? Moi, avant mon PC, il faisait tourner tous les jeux, mais pendant 5 minutes. Et après, il chauffait. Et du coup, après, il s'arrêtait. What? Je me disais bien que c'était trop beau, que ça passe du premier coup, c'était pas possible. Fallait forcément que ça couillonne derrière. What? What? Gros gain de temps là. Putain. Je veux pas dire, mais par rapport à un autre débutant d'Alice, on sent, autre débutant de contraste,
On sent que justement, je run aussi Alice. Mon PC c'est une salope, hein, rien le chauffe. Salut la piachise. Ça y est, le chroma key il foire encore. C'est normal, c'est parce que... C'est de la merde. Non mais c'est parce que je suis trop près du fond vert et voilà. Et du coup en fait le fond vert comment, a une couleur qui évolue en fonction soit de la couleur de mon écran, soit de la couleur de celui de Gabi. Soit tout seul parce que voilà il a envie. Merde. Parce qu'il est un peu con. Yo! Sauf que du coup en fait tu vois je pourrais ne pas le mettre. Ça y a pas de souci. Sauf que du coup t'as l'air encore plus cloche que quand derrière toi on voit que t'as un. Salut Flomkaz. T'as l'air encore plus cloche quand derrière toi on voit que t'as un fond vert et que tu l'utilises pas. Alors, comment va Flomkaz? Bienvenue, je crois que c'est la première fois que je note ton pseudo ici. Alors ça y est, mes aïeux. Ah putain, j'étais dessus. Chier. Je voulais monter au point le plus haut. J'aime pas ce buisson, rasez-le! Rasez-le! Le cirque, c'est là où vraiment je commence à insulter les mères, quoi. Oui, je sais. Alors, non, mais pour te dire, j'ai une. Si mes lunettes sont violettes, c'est à cause de ça, justement. C'est parce que je suis obligée de blinder le similitude, je suis obligée de blinder toutes ces conneries-là. Et à la limite, il y a la moitié de mes lunettes qui sont transparentes et tout. Ça fait 3 jours que tu es là, et bah bienvenue en retard. Du coup... Putain... Donc tu as l'honneur et le privilège de me voir galérer et me battre avec un buisson. C'était déjà le cas tout à l'heure. Crotte de bique à la rose. Je le déteste, c'est à cause de lui que je perds une demi-heure à chaque fois sur mes runs. Ah bah tu vois quand tu veux, putain. Oh, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis obligée de venir jusqu'ici en fait. Il a recommencé. Il l'a fait. Il l'a fait. Putain, je t'en supplie, joue pas au con. Elle est parfaite cette run. Non mais c'est un peu ça en fait, c'est que du coup mes lunettes au lieu d'être bleues elles sont violettes et des trucs comme ça tu vois. Bon, là j'ai anticipé le bug donc du coup. Tortuga. Du coup voilà. Mais il se peut que ce soit moins pire du coup. Mais c'est pas sûr. Mais ça se peut. Oh mais la run est magnifique. Et le jeu est très... Enfin moi je trouve le jeu très intéressant. Bien que... selon moi pas fini. Non j'avais pas mes lunettes parce qu'après j'ai les yeux tout noirs. Parce que comme j'ai les yeux bleus c'est pareil il aime pas trop. Putain, j'ai une réunion ce soir en plus. Troll pas trop, toi. Quand je dis troll pas trop, qu'est-ce qui t'échappe dans ce que je dis? Bah, si t'aimes bien la vidéo, ça va. C'est ça, le chroma key n'a pas été fait pour moi en fait. Ah, pas mal là! Là j'ai réussi à le faire tomber dessus.
Allez, tout droit jusqu'au matin, comme tu dis. Pour l'instant, j'ai gagné 1 minute 30, c'est pas mal. Mon sum of best est passé à 18 minutes 50. Et en plus, on va attaquer la saison 5 de The Walking Dead. Que demande le peuple? Ouf, je pensais pas que ça passerait. Ah, c'est pas mal déjà. Oui, je sais que le quatrième épisode est sorti aujourd'hui, mais... Bah écoute, ouais. En fait, le truc, c'est que comme on les regarde, à la base, on a commencé à regarder sur Netflix, et là, pour la suite, c'est sur... comment ça s'appelle? C'est sur OCS. Sauf que du coup, vu qu'ils les gardent pas longtemps, les épisodes, on est obligé de les regarder maintenant, sinon après, on pourra plus. Et on sera obligé d'attendre bah, que la saison soit finie, et... Enfin, ce sera chiant. Voilà. Une marge de progression, oui, enfin... Ça va quoi. Le problème c'est que sur des jeux aussi courts, la moindre mort c'est tout de suite punitif à mort quoi. En fait, je sais même pas si je suis obligée de me mettre dans la lumière pour faire ça. Quand on y pense, ça ne sert à rien. Finite, oui. D'où le mot finition. Oh, ça se cherche des excuses. Tu me fais slipite, bah tant mieux. Merci. Cette phrase avec les gamines, mais ça me fait tellement rire quoi. Ouais, c'est cassé. Mais en fait, non, c'est pas cassé, c'est juste mon père, comme il est un peu con, il a acheté un truc et puis il l'a pas mis en marche. Tu runs un jeu de 6 minutes. Oui, bah ça va. Bon, allez, Pichoun. Oui. Chaque fois, j'ai peur de le faire soit trop vite, soit trop lentement, mais je crois qu'ils ont vraiment compté large. Un bon crevard qu'ils sont. Ok, on va se rebattre avec notre grand copain, chéri, le buisson. Ah, peut-être pas en fait. La cave est floue. Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait alors? Ah non, ça s'est bien passé. Bon, j'ai encore perdu du temps, bizarrement. Ouais, faut pas chercher des fois avec elle, hein. C'est un peu conne. Ça va, je suis toujours. Ah non, j'ai équilibré mon pibi là par contre. Ouais, j'ai perdu un poil de temps. C'est à cause du buisson. J'ai quand même 1 minute 30 d'avance, ce qui est pas rien quoi. Et du coup là si je joue pas trop mal. Là faut faire gaffe aussi, parce que c'est pas facile de monter sur ce lampadaire, hein, malgré ce qu'il semblerait. Enfin, cette petite lampe de jardin quoi. Ah mais il fait du 2v2 en fait mon chéri. Mais zergue quand même.
salaud. Tant pis, ça passe. Je te dis que ça passe. Non ! C'est pas vrai. Si j'avais fait attention, et le pire c'est que j'en étais sûre, quand j'ai fait ça, je savais que j'allais me louper quoi. J'en étais tellement sûre. Quelle idée de monter sur une petite lampe, c'est trop ça. Mais encore ça va là, c'est pas ce qu'on fait de pire. Le seul souci c'est que mon perso il a tendance à se déplacer, à être poussé sur la gauche ou la droite comme c'est pas exactement un carré. Et du coup... t'es vite éjecté complètement sur les bords. Donc du coup ça la fout quoi. Merde. Pas chier. Arrête. Non, stop. Suis. Stop, arrête. Non. Donne. Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Elle glisse comme une savonnette quoi. Une fucking savonnette. Ok. Il va sans dire que j'ai perdu un petit peu de temps et que je pense que sur ce split j'aurais du mal à en gagner. Non mais c'est pas vrai, mais pourquoi est-ce que... Alors pourquoi quand c'est des angles, ça marche pas? Me demandez pas, salut Vol. Bienvenue dans cette séance, grosse galère. On se bat avec les murs, mais littéralement, parce qu'ils ont décidé que non, tu ne deviendrais pas une ombre. T'avais qu'à pas nous boycotter depuis le début. Dégage de là, toi. Remarque, j'ai l'autre glitch là-bas qui peut me faire gagner un peu de temps, vite fait. Vite fait. GG. C'est pas vrai. LOL. Ouais, je vais péter la gueule au mur, c'est exactement ça. Notez-la. Tenez-vous le pour dit. Ce mur, je vais le réduire en miettes. Non, on démonte pas trop le jeu, ça va. Franchement. Je veux dire, tout ce qu'on fait est totalement légal et prévu, quoi. Enfin, je veux dire, la base, quoi. C'est un jeu Unity. Hein. Non, qu'est-ce que je dis, c'est un jeu Unity, n'importe quoi. C'est un jeu Unreal Engine, hein. La base quoi. Allez, toi tu m'énerves. Alors elle? Dans tous les modèles invisibles comme ça, elle nous fait toujours chier. Toujours. C'est à croire que, je sais pas, elle a été prévue pour. Mais non, c'est pas vrai. Si, un peu. Mais pas trop. Je vais essayer de pas tomber, ça me ferait chier. Oh.
Oh, tu lui as manqué. C'est mignon, ta fille, elle t'aime. Oups, putain, à chaque fois que j'arrive ici, je me dis, ouais, faut que je skip la cinématique. Mais en fait, il n'y a pas de cinématique. Je dois réorienter le projecteur vers la scène. Parce qu'en fait, les projecteurs de la scène ont disparu. Du coup, le mec qui doit faire un spectacle de magicien, ben, en fait, il peut pas. Et du coup, je dois carrément aller détourner le phare. C'est pas mal dans son style, hein. Hop là. 20 minutes, 28.